Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Voilà, soutien à tous les casséroliers pour le grand cancer des casseroles depuis voilà, le Gabon. Et alors, ce soir, je vais vous demander de partager le direct parce qu'il y a des grosses révélations à faire en fait. J'ai beaucoup de choses à dire. Et voilà. Bonsoir. Salut, salut. Ça va? Pourquoi je vois pas les commentaires? C'est saoulant en fait. Ah. Ah oui, maintenant les commentaires commencent à venir. Ça va. Mais bien sûr que je glosse en fait. Il faut que ça glosse dans ma vie. Et donc ça glosse vraiment, vraiment, vraiment. Sans surprise en fait, aucun secret. J'arrive. Donc, il me reste encore quelques minutes là. Je vais d'abord glosser ma casserole. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Taguez-moi le général Makoso, le général Camille. Bon, moi, je vais l'appeler Camille. Hein. Taguez-moi Camille, s'il vous plaît. Parce que ce soir, en fait, j'ai envie de dire des choses. J'ai envie de parler à mes fans, surtout de demander conseil. Parce que, voilà, je sens que pour moi, c'est le bon moment, en fait. Voilà. C'est bizarre, je ne vois pas les commentaires défiler. Mettez-moi des cœurs parce que je ne vois pas des commentaires et tout. Donc, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, taguez le général Camille Makoso. Bon, moi, je vais l'appeler Camille. Hein. Je vais l'appeler Camille tranquillement. Voilà. Alors, il y a eu plein de choses hein, qui se sont passées dernièrement, surtout depuis mon arrivée en Côte d'Ivoire. Depuis que je suis passée sur le plateau de Pipolémique là-bas, il y a eu beaucoup de choses. Ça a fait réagir plusieurs personnes. Et vous savez que, voilà, moi, je ne suis pas une personne qui a la langue dans sa poche. Et que si j'ai quelque chose à dire, je vais tout simplement le faire, en fait. Donc, voilà. Je suis en train de chercher des publications ici. Parce que ça va aller très, très vite. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi des cœurs, remplissez-moi. Les cœurs à l'écran parce que là je ne vois mais rien du tout. Donc mettez-moi les cœurs. Mettez beaucoup plus de cœurs. Il n'y en a pas assez. Vraiment balancez les cœurs là-bas. Et puis, partagez le direct au maximum. Il y a 4500 personnes en ce moment. Partagez-moi ce direct-là, comme ça, on sera au moins à 5000 personnes. Je commence à parler. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Et taguez-moi le général Makoso. Camille Makoso. Bon, moi, je vais l'appeler Camille, je vous ai déjà dit. Voilà, donc. Voilà.
Alors, vous avez partagé ou pas? On est bientôt à 5 000 personnes, je vous attends. Il y a des choses, je vais dire ce soir, en fait. Plein de choses. Donc, vous avez intérêt à partager et à être connecté, en fait. Ok, bon, on va pouvoir parler. Alors, mon cher Camille, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le deviner, hein, sans surprise, je te suis beaucoup sur les réseaux et je te suis depuis longtemps, voilà. Pourquoi vous me signalez le direct? Aïe, y a quel problème? Aïe. Oui, je vais faire une séance de dédicace tout à l'heure. Je vais dédicacer mes fantastiques et tout. Mais laissez-moi d'abord parler, s'il vous plaît, parce que j'ai des choses à dire en fait ce soir. Donc, je voulais dire quoi, Camille, j'espère que tu vas bien. Je vais me représenter parce qu'apparemment, les réseaux sociaux ont peut-être commencé les présentations. Mais je vais me représenter. Je m'appelle Moussitou Makaya Janice Aurore. Voilà. Je suis gabonaise 100%. Je suis Pounou. Et mon père est Pounou et ma maman, elle est Nzebi. Ce sont des très, ce sont des ethnies vraiment les meilleures ethnies hein, sur le plan local. Hein. Voilà. Et il y a eu plusieurs publications sur ta page, Camille, qui m'ont vraiment fait plaisir, notamment après mon passage à Pipolémique. J'espère que je vais retrouver ça. Voilà, tu as un peu fait un post, tu as réagi par rapport à moi. Comme pour dire que, voilà, cette fille-là, elle est bien, finalement, elle est gentille. Ou bon, enfin, pas elle est gentille, mais elle est franche, en fait. Et elle dit ce qu'elle pense et tout le tralala. Et voilà, moi, j'étais vraiment choquée parce que, honnêtement, je ne pensais pas que toi, en fait, tu pouvais faire un post comme ça me concernant, en fait. Parce que, je te dis pourquoi. Tout simplement parce que je sais déjà que tu es pasteur et que même si tu n'es pas un pasteur comme les autres, parce qu'il faut dire la vérité, tu es vraiment un pasteur hors du commun, en fait. Bon, mais ça reste quand même, voilà, tu es quand même un pasteur. Et tu as une certaine image à défendre en fait. Mais ça t'a pas empêché de faire un post dans lequel tu me soutenais. Bon, je prends ça pour du soutien parce que j'ai regardé ce direct-là et vraiment, tu n'as rien dit de méchant, de dégueulasse sur moi. Au contraire, tu as même, si je peux dire, apprécié. Tu as même apprécié la personne qui est créole en fait. Et déjà, rien que pour ça, je voulais te dire merci. Vraiment, ça vient du fond du cœur. Je voulais te remercier. Voilà. Et là, je suis en train de défiler sur ta page, hein, Camille. Hein, et je cherche ces publications-là. J'espère qu'elles n'ont pas été retirées. Voilà. Donc, mais je voulais d'abord dire
Un grand merci. Voilà. Parce que sur ce coup-là, tu t'es vraiment comporté comme le Jésus que vous, les chrétiens, vous prêchez dans vos églises, en fait. Tu n'étais pas arrêté sur... Tu n'étais pas arrêté sur ma personne, sur mon accoutrement, ou bien sur ma façon de parler, ou bien sur, je ne sais pas, mes habitudes peu recommandées, ou quoi que ce soit. Pas du tout. En fait, bien au contraire. Voilà, tu as réussi à te poser sur un aspect de moi que les gens connaissent, mais qui font semblant de pas reconnaître, en fait. Je ne sais même pas comment dire ça. Donc... Je ne trouve pas. Attendez, hein. Donc, voilà. J'ai même envie de dire que... J'ai même envie de dire que... Tu t'es comporté vraiment de façon... Excuse-moi, je prends la peine de te tutoyer. C'est parce que je ne sais pas trop, vous voyez les gens. Et que... voilà, c'est vrai que c'est une marque de respect. Mais voilà, je trouve ça trop long. En fait, on est tous des humains. Et que le français, ce n'est pas notre langue. Donc, je vais dire tu. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Ah, voici les posts en question. Voilà. Alors, ça disait, j'ai suivi l'émission de cette artiste gabonaise et je trouve qu'elle est la femme la plus honnête du showbiz. C'est quand même chaud de dire ça, hein, la femme la plus honnête du showbiz, en fait. Et elle est sincère et assume et honore son mari, voilà. Donc, pour ces propos-là, déjà, merci. Moi, ça m'a fait penser à une histoire. Ça m'a fait penser à l'histoire de la prostituée avec Jésus. Jésus qui ne s'est pas attardé sur sa profession, sur son accoutrement, sur sa vie et tout, mais qui a clairement... c'est-à-dire les disciples ont dit, mais Seigneur, comment tu peux parler avec une fille comme ça? Comment tu penses qu'elle t'approche? En fait, elle a une mauvaise vie. Ce n'est pas une fille exemplaire et tout, c'est une prostituée. Mais comment tu peux accepter qu'elle t'approche, en fait? Et voilà, on sait tous comment ça s'est passé dans la Bible, en fait. Et j'ai vu des commentaires sur ce post qui disaient que Makoso, donc tu n'es plus... un pasteur, tu parles dans les choses de créole, en fait. Toi qui es un pasteur, toi qui es un homme d'église, toi qui es un homme de Dieu, comment tu peux t'arrêter pour parler de créole, genre la prostituée, en fait. Et vraiment, sur ce coup, tu t'es vraiment comporté comme Jésus. Ça prouve que vraiment, tu es aussi une personne très sincère. Et j'apprécie énormément et je te remercie énormément, en fait. Voilà. Donc... Voilà. Et aujourd'hui encore, je tombe sur un autre post, comme par hasard, où le général Makoso dément un peu une histoire de voilà, une personne qui publie des trucs comme quoi général Makoso me drague ou tout le tralala. Bon, à toutes les personnes qui aiment le Congo, ça, hein, sachez que je suis une femme, en fait. Et que n'importe quel homme peut être intéressé par moi. C'est pas interdit, d'accord? C'est comme je peux être intéressée par n'importe quel homme, en fait. Tant que c'est un homme, voilà, je peux être intéressée. Vraiment, il n'y a pas de lézard. Ça glosse, hein? Et il faut dire la vérité, j'aime bien les hommes comme le général Makoso. En fait, si j'étais célibataire, je pense que je devais sortir avec ce genre de personne, en fait. Je devais plutôt, on va dire quoi, essayer d'aguicher ou essayer d'attaquer le genre d'homme comme le général Makoso parce que tu sais clairement ce qu'il veut. D'accord? C'est pas quelqu'un qui a sa langue dans la poche, qui va hésiter ou quoi que ce soit, non. C'est quelqu'un qui va plutôt dire les choses. Et très vite, tu n'auras pas de surprise, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça que je voulais dire un peu ce soir. Et en profiter, puisque mes fantastiques sont là,
à demander des petits conseils parce que mes fans, faut dire la vérité, hein, mes fans sont tout pour moi. Ce sont mes fans qui m'aident un peu, qui me guident un peu, qui me soutiennent sur tout ce que j'ai à faire, sur tout ce que, voilà, sur tout ce qui me concerne, pas seulement sur la musique, il faut dire la vérité. Voilà, pas seulement sur la musique. Donc, voilà, Camille, moi je te dis ce que j'avais sur le cœur, en tout cas, je te remercie. Je sais que tu sais que j'ai un mari, et au passage, je fais un gros bisou à mon chéri, on n'a pas de problème ou quoi que ce soit, hein, bien au contraire, on s'entend mais parfaitement bien. Et n'allez pas déformer mes propos, hein. J'ai juste dit que si j'étais célibataire, je m'attaquerais clairement au général Makoso, quoi, parce que c'est trop mon style d'homme, c'est vraiment mon genre d'homme, en fait. Voilà. Si j'étais célibataire, mais dommage, je suis en couple et que... voilà, je ne souhaite pas me séparer de mon mari, en tout cas, le moins du monde. Mais c'est un homme qui m'intéresse. Donc, mon général, je suis chez toi, je suis à Abidjan. Si tu peux me recevoir, ce serait pas mauvais qu'on puisse se voir, se parler tranquillement. Et pourquoi pas essayer de me convaincre d'accepter le Seigneur. Parce que comme je suis une ancienne chrétienne là, peut-être que je peux retourner en Christ en fait. Peut-être que vous pouvez m'aider à reconvertir mon âme égarée. Donc voilà, mon numéro de téléphone ici en Côte d'Ivoire, c'est le, je vais te le donner, c'est pour juste Camille, hein. Si tu t'appelles pas Camille Makoso, inutile de composer ce numéro parce que je ne répondrai pas, voilà. Voilà, je te donne mon numéro de Côte d'Ivoire. C'est le 225. Je vais l'écrire ici pour ne pas... voilà, parce que... Ok. 225. Je crois 0777 77 01 10 54 01 10 54, voilà, c'est mon numéro ici à Abidjan. Donc c'est juste pour le général Makoso Camille. Mon général, il faut me recevoir. Je sais pas quel chemin mon âme a emprunté là, mais peut-être que je peux retrouver le droit chemin, on ne sait jamais. Et je suis une fille qui ose dans la vie. Voici pourquoi je prends la peine de faire ce direct et de vous inviter, de t'inviter solennellement, en fait. Du côté fantastique de la chose. Donc, voilà. C'est juste pour Camille, hein, ce numéro-là. C'est pas pour vous, hein. Voilà. C'est où? Bon, le numéro, je viens de le poser. Vous avez retenu. Bisous, Kimi. Donc, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Alors, je suis une maman célibataire. Hein. Mon fils a 15 ans. Je pense que c'est aussi l'âge de tes filles. C'est à peu près leur âge. Comme ça, ça fera des frères et des sœurs. Pour mon fils. Donc, je suis très, très ouverte pour discuter, d'accord. Tu es clairement mon genre d'homme, en fait, Camille. Tu es clairement mon genre d'homme. Mais bon, disons que comme je suis pas célibataire en ce moment, c'est un peu chaud. Et que, voilà, quoi. Je suis du genre très, très, très fidèle à mon mari. Tout le monde le sait. Mais voilà, il fallait quand même que je dise les choses parce que ce sont des choses que je ressens. Et il fallait que... Ouais. Anonymous, comment?
Camille Makoso, c'est toi qui m'appelles. Bon, je ne vais pas répondre en direct. Je vais répondre après. J'ai bien dit que c'est le général Makoso. J'espère que c'est le général Makoso qui m'appelle avec un numéro privé, en fait. J'espère bien. Voilà. Mais je vais répondre après le direct. Voilà. Ça, c'est la France. Général Makoso en France. Oh, je vous en supplie, pardon, ne faites pas ça, pardon. J'ai dit, je veux parler avec le général Makoso, c'est tout. Je ne veux pas parler avec quelqu'un d'autre. J'ai donné mon numéro, c'est pour lui, en fait. Là, dis donc. Oh, n'importe quoi. Faut éviter, hein. Oh. Non, je ne vais pas répondre devant vous, en fait. Je ne vais pas répondre devant vous. Je vais répondre devant vous comment c'est un appel privé, en fait. Voilà. Maintenant, je vous demande un peu les fantastiques. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous me voyez à côté d'un homme comme le général Makoso, le Togo? Mon Dieu. Je vais seulement raccrocher en fait. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas de ça. J'ai dit, je veux parler au général Camille Makoso. Si ce n'est pas Makoso qui m'appelle, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. D'accord? Ne m'appelez pas, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Je veux parler au général Makoso. J'ai donné mon numéro ici. C'est pour le général Makoso. Si tu ne t'appelles pas Camille Makoso, le révérend, ne m'appelle pas. Ce n'est pas toi qui vas sauver mon âme. C'est pas toi qui vas sauver mon âme, en fait. C'est le général Makoso. Merci. Oh là là. C'est pas possible, en fait. Oh là là. Voilà, donc, je voulais dire quoi, les fantastiques. Eyé, maman Nanga et Seigneur Jésus. Oh. Allô? Dieu, mais tu coupes encore pourquoi? Toi qui m'appelle depuis le Togo là. Allez, je te réponds maintenant, tu coupes pourquoi? Je sais pas, tu t'appelles Camille Makoso. Mais donc, vas-y, parle. C'est pas croyable. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? C'est Créole? C'est qui, s'il vous plaît? Je suis désolée d'appeler. Je voulais juste savoir si ça passait le numéro. Je sais que c'est pour le général. Mais ma chérie, tu t'appelles pas Camille Makoso. Laisse-moi tranquille, en fait. J'attends un appel important. J'attends un appel important, ma chérie. Il va t'appeler ce soir, ma chérie. T'inquiète. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Ma chérie, je suis trop contente. Oh, le glace là, c'est le glace de la gloire céleste en fait. Ouh. Bon, honnêtement, c'était la seule personne que je décroche, machin. Et là, j'ai décroché parce que c'était un numéro ça. C'est pas croyable, les fantastiques. Je ne vais plus prendre les appels, c'est bon. Parce que au final, si je prends les appels, je ne prends plus, je ne décroche plus. Je voulais vous demander, est-ce que vous me voyez à Jean, est-ce que vous me voyez avec un homme comme le général Makoso, en fait? C'est-à-dire, si un bon matin, vous vous réveillez et que je vous annonce que Jean, je suis en couple officiellement avec le général Makoso, comment vous allez prendre la chose, en fait? Je vous demande, répondez mon commentaire. Comment vous allez parler? Parce que là, il faut dire la vérité. Hein. Si le général Makoso m'appelle le soir, là, je vous dis que je risque même de me convertir, en fait. Je risque même de me convertir, de donner ma vie à Christ.
vraiment définitivement, de me mettre vraiment dans la peau du... Aïe, Seigneur. Oui, allô? Oh, c'est quoi? Qui m'appelle du Gabon là? Mais vous êtes sérieux en fait? Vous êtes quoi? Vous êtes des fous en fait? Vous m'appelez dès que j'ai des cas, vous raccrochez. Quoi? C'est le numéro que j'ai donné, c'est un vrai numéro. Vous pensez que c'est un numéro qui sort d'où en fait? Voilà là, tu fais que me bipais du Togo. Tu me bipes, pourquoi tu me bipes en fait? Arrêtez un peu! Oh, en fait, chier, sérieux. Voilà, là c'est la France en fait, je sais pas. Allô? Allô? Oui, c'est le général Makosso. Non, c'est ton frère. C'est le frère du général Makosso. Oui, je veux la passer, s'il vous plaît. Pardon? Je veux la passer. Ah, vous allez me passer le général Makosso? Oui. Ok, d'accord. Non, juste un coucou, c'est gentil, papa. Hein? Allô? Ah, mon Dieu! Oh là là, en fait, vous n'êtes pas sérieux du tout, c'est pas grave. Bon. Je vais remettre le numéro pour le général. Je vais mettre ça, épingler ça sur le direct. Oh là là. Allô? 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 Allô, ma chérie, c'est comment là-bas? Allô? Oui, allô, oui, je vous écoute en fait. C'est le général Makosso. Oh, arrêtez ça, arrêtez de me faire chier, c'est tout, arrêtez en fait, arrêtez, c'est bon. Ah, bon, c'est tout en fait, mais c'est tout, comment? Possible en fait, je comprends pas. Arrêter sérieusement, là je commence à me faire chier avec ça. Je veux pas, je demande d'arrêter. Vous arrêtez, c'est tout. Voilà, si c'est pas Camille Makosso, ne m'appelez pas. Je ne veux plus. Oh, en tout cas, voilà, c'est un peu ça. Je voulais vous demander votre avis. Donnez-moi votre avis sincèrement, d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez. Putain, il y a un numéro qui m'appelle depuis le Togo. Allô? Allô? Oui, vous m'appelez depuis le Togo? Vous êtes très, très belle, hein? Eh bien, vous méritez mieux que le général, hein? Pourquoi je mérite mieux que le général? Moi, le général, c'est mon gendarme, en fait. En fait. Non. Vous méritez mieux. Pourquoi? C'est la qualité là qui me plaît, ma chérie. Il n'y a pas de problème, mais vous êtes trop belle. Hein? En tout cas, merci, merci, maman. Merci, au revoir. Oui. Tu es une diva glorieuse? Non. On est content de te voir et de t'entendre. Khadija. Oh là 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 là. C'est vraiment, bon. C'est pas grave. Je vais attendre l'appel du général. Je vais redonner mon numéro de téléphone. Oh putain, on m'appelle d'où là? Quoi ça, c'est quel numéro? Vous êtes sérieux là?
Si vous n'êtes pas le général Makosso, ne m'appelez pas, en fait. On m'appelle même du Gabon. C'est-à-dire, ne m'appelez pas si ce n'est pas le général Makosso. Attends, c'est pas difficile à comprendre, franchement. Oui, allô? Makaya. Makaya, c'est Makaya, Makaya de quoi? La Makati. Toi, tu t'appelles Makosso, hein? Toi qui m'appelles Makaya, là. C'est fantastique, vraiment, tous ceux du Gabon là, on n'en peut plus, c'est-à-dire c'est pas possible en fait. Oh là là, les dents. Mais voyez le bon côté des choses, je vois vos commentaires là, ça me fait même rire en fait. Voyez le bon côté des choses, au moins, si genre je suis même la tchiza des général Makosso, même la tchiza, même si c'est pas la titulaire, même la tchiza comme ça là, au moins je vais donner ma vie à Christ, c'est ce que vous voulez, non? Que je donne ma vie au Seigneur, que je sois maintenant le genre là, le genre de l'échappe jusqu'à là, qu'au devant, au premier rang à l'église, devant. Au moins ce sera bon. Au lieu de m'arranger le bise là-bas, que je sois même la tchisa du général, on glosse de côté là, vous êtes en train de faire encore le genre là. Oh non, vous machin, vous refusez. Oh non, non, non. Vous voulez me donner à qui? Vous voulez que ce soit la tchisa de qui? Franchement. Daniela me fond. Je suis fatiguée. C'est-à-dire que je ne fais que rejeter les appels du Gabon. On dit bien qu'il y a que le général qui doit appeler, mais les Gabonais, je ne sais pas. En fait, je ne comprends pas les fantastiques du Gabon là. Je ne sais pas. Oh, reviens déjà, reviens déjà, reviens déjà. J'ai posté les dates de mon voyage. J'ai dit, je fais du 6 au 6. On est déjà le 6. On est bientôt le 6. Je vais rentrer à ma date de retour, en fait. Je ne vais pas modifier mon billet parce que les fantastiques veulent que je revienne. Vu que j'ai du travail ici. Hmm? J'ai du boulot. Ah, dis donc. Arrêtez, hein. Je sais, moi, là-bas, je suis en train de parler mes trucs très importants pour moi. C'est très important ce que je dis là. Le Sénégal. Oui, allô, général Makosso? Non, c'est pas lui, mais c'est sa petite amie de Dakar, en fait. Il est en ce moment ici, et donc tu rêves, en fait, crayon. Cherche quelqu'un d'autre. Hé, 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 ma chérie. Chérie, d'accord, quand toi tu regardes aux gens dérivants là, tu sais que c'est la qualité là. En tout cas, bisous créole. Bisous, ma chérie. Tu vois que quand tu me regardes là, je suis la qualité dérivante là que tu dois avoir dans ta vie, ma chérie. Pardon, moi là. Oh non, ça va, bon, excusez-moi, oubliez ce numéro, c'est bon, ça va. Parce que vous êtes en train de me saouler en fait. J'ai dit, je vais parler avec le général Makosso. Mais voilà, maintenant, même que cette tchiza du Sénégal, partout, cette tchiza m'appelle, tout le monde m'appelle maintenant. C'est bon. Papou, donne-moi le petit gloss qui est là-bas, transparent là-bas, s'il te plaît. Je ne sais pas, il est 19h49. Arrêtez de m'appeler, arrêtez, c'est tout, arrêtez. Bon, je vais vous laisser parce qu'apparemment, voilà, j'ai l'impression que, voilà. Arrêtez de m'appeler, faites chier là, dis donc. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bonne soirée. Ne m'épuisez pas la ligne. J'ai donné ce numéro, c'est pour que le général Makosso puisse me contacter, pour que je puisse avoir un espèce de petit rendez-vous.
pour pouvoir discuter tout simplement. Je suis aussi une personne, en fait. Je peux vouloir rencontrer le général Makosso. Je n'ai pas dit quoi que ce soit d'autre. J'ai dit que c'est le genre d'homme qui me plaît, c'est vrai. C'est le genre d'homme avec qui je serais si je n'avais pas déjà un mari. Ok, c'est tout. En fait, je ne vois pas pourquoi vous allez maintenant m'appeler comme si... Je ne sais pas. Arrêtez là. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vais glosser encore un peu. Et tout à l'heure, je serai sur... je serai à Trace TV pour une émission. Donc, je vous ferai peut-être un direct tout à l'heure. Voilà, pour vous faire assister à l'émission. Voilà, gros bisous. Putain, c'est pas possible en fait. Je vais souffrir. Je vais souffrir en fait. Je vais souffrir aujourd'hui là avec le mot que j'ai donné là. Burkina Faso. Allô? Allô, Créole, comment vas-tu? Mon général. Mais j'appelle pour demander quelle est la dope finalement pour te prendre. Il faut que je vienne te doter au Gabon. Je n'ai plus le... Là où je suis arrivé, je n'ai plus le choix. Je n'ai plus le choix. Mais je tremble même. Non. Mais ne pleure pas, Créole. Tu seras mon pasteur. Tu vas faire 15 jours de jeûne par semaine, par mois pour moi. Je n'ai plus le choix. Moi-même, je regarde le direct. Je vois la qualité du. Je prends le titre du plan. Je vois la conjonction des verres, regarde. Je vois la conjonction des lèvres. Je dis, béni soit l'homme qui dort dans la main des Créoles. Il ira au paradis sans passer par la mort, Créole. Eh, hey, général. J'appelle pour officialiser. Je viens de doter au Gabon. Je le Gabon a pris mon cœur. C'est fini. Le plan là, je l'enlève. J'ai demandé à qui j'appelle. J'appelle. Et je dis à tous les Gabonais, toutes les Gabonais. Mais moi, général, est-ce que quand même. Est-ce que je te plais quand même un peu d'abord avant de venir? Je vais voir. Est-ce que je te plais quand même un peu? Est-ce que j'ai quand même un peu ta qualité? Est-ce que j'ai le choix? Une femme comme Créole, qui peut lui dire non? Je n'ai pas le choix, Créole. Je n'ai pas le choix. Au stade où je suis arrivé, je pleurais aujourd'hui ce matin, tu m'as donné le sourire, Créole. Oh non, mais j'ai vu cette vidéo-là où vous étiez triste et tout ça. En fait, général, ça m'a beaucoup fait mal au cœur. Et c'est ça qui m'a un peu convaincue avec cette sensibilité-là que, en fait, je ressens vraiment quelque chose, mais sérieusement, hein, c'est vrai. Hein. Ah bon? Non, c'est vrai, je jure devant Dieu que je ressens vraiment quelque chose. Parce que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mon Dieu, mais ce monsieur, c'est vraiment un homme sensible. C'est vraiment quelqu'un de sensible, en fait. Et c'est le souhait quand même de toutes les femmes d'être... avec un homme, voilà, avec une telle sensibilité, en fait, surtout pour moi. Ça m'a beaucoup fait mal, honnêtement, ça m'a beaucoup fait mal. Créole, regarde, comme quand tu parles comme ça, mon cœur fait, il y a clac, clac, doux. J'ai seule une heure de l'eau glacée descend dans mon cœur. Non, que Dieu bénisse la femme gabonaise. Elle est la meilleure femme en Afrique. Non, je le dis, je le confirme. C'est les femmes, quand elles aiment, elles vont jusqu'au fond. Non. Créole, j'accepte ton amour, je te donne mon cœur. C'est fini, mon général. Je suis maintenant avec toi. Je suis maintenant pour toi. Sache que je suis maintenant pour toi. Tu me rencontres quand tu veux. Voilà, tu as mon numéro de téléphone. Je te remercie d'avoir appelé à partir d'aujourd'hui, là même. Là, je ne suis plus avec quelqu'un d'autre. Je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Je vais t'attendre seulement le jour où je vais te rencontrer. Je te le promets. Voilà. Non, merci pour la promesse. J'arrive. Voilà. Ok, ok. Maintenant, tous les autres m'ont fermé la bouche. C'est fini. C'est moi, désormais. Je donne mon cœur à Créole. C'est bouclé, c'est cimenté. Ok, d'accord. Moi aussi, c'est bouclé, c'est cimenté, terminé. C'est bon. Voilà, les Ivoiriens, vous avez entendu maintenant. Je suis, voilà, la Chisa officielle, voilà. Je vous remercie d'avoir assisté quand même à ça. Qui l'eût cru, les filles, dans la vie? Quand vous voulez quelque chose, en fait, il faut oser, en fait. Il faut oser dans la vie quand vous voulez quelque chose. Parce que, en fait, ça peut vraiment tourner à votre avantage.
fait du bien, putain. Ouh, ça fait du bien, ça fait mais du bien. Oh, waouh. Oh là là. En fait, je me sens... mais comme un poisson dans l'eau. Je suis très heureuse et très satisfaite. Voilà. Quand même. Oh. Bon, je suis officiellement, voilà, Tisa du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Mon chéri, c'est le général Makosso. Ne me demandez plus l'homme à côté de moi. Les Gabonais, là, je sais que vous avez entendu. Quand vous dormez avec moi, vous n'avez jamais eu le courage de me draguer. Vous n'avez jamais eu le courage de me complimenter pour de vrai, pour qu'on soit ensemble, machin, je ne sais même pas. Maintenant que le général a parlé, j'espère que vous avez entendu. Moi, je suis très sérieuse. Voilà, j'espère que lui aussi. Disons que j'ai osé et que Dieu m'a béni ce soir. Et je suis prête à aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je suis prête à donner ma vie à Christ. Je suis prête à changer complètement. Je suis prête, en fait. Je suis prête. Oh, putain. Oh, le gloss de ça, putain. Oh, putain. Oh, mon Dieu. Oh là là. Mais arrêtez de m'appeler, c'est bon là. Le général est du côté du Burkina Faso. Donc vous arrêtez de m'appeler, je ne prendrai plus vos appels de tout, de machin partout. Vous m'appelez le Ghana, l'Afrique du Sud. Vous êtes sérieux? Vous voulez mal parler du général, hein? N'essayez pas. Allô? Oui, Moussitou, c'est ton frère depuis l'Afrique du Sud. Oui, mon frère depuis l'Afrique du Sud. C'est comment? Mais oui, mon chéri, quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut savoir sauter sur l'occasion, c'est pas ça? Oui, c'est bien, faut continuer à oser. C'est un exemple que je quand nous sommes gabonais. Voilà, merci mon chéri. Allez, bisous, bisous. Oh là là, mon Dieu, je suis trop contente, putain. Oh là là. Oh là là, je suis trop contente en fait. Maman pasteur, mon Dieu, Calista Mara. Ma chérie, ça glosse en fait, mais de ouf. Allô? Allô? C'est créole. Mais c'est créole, ma chérie. Caprice et Camilla et Pamela, je vous fais des gros bisous, les filles. Appelez-moi maman pasteur, pardon. Ma vie a changé ce soir-là. Maman pasteur, ma cousine, comment vous vous sentez ce soir? Mon Dieu, je suis trop contente. Hein? C'est trop là, c'est trop le gloss, en fait, dans la joie. Mais ne négligez jamais votre gloss. Vous avez vu qu'au final, glosser, c'est important. Vous pouvez tout dire, en fait. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir assisté à ça. Et mon général, je suis très ravie d'entrer dans ta vie. Et je te promets que tu ne vas vraiment pas le regretter du tout. Voilà, je te fais un gros bisou, je t'embrasse très fort. Et que Dieu te bénisse encore. Et à tous mes fantastiques, je vous aime énormément. Énormément, je vous aime passionnément. Merci de me suivre. Merci de me suivre, voilà, et tout ça. Merci d'être avec moi. Merci d'être aussi fantastique. Voilà, c'est comme si je savais, hein, je me suis fait appeler le général. On a dit madame le général, en fait. C'est-à-dire qu'on dit le général, en fait, c'était madame. La madame, en fait, du général. Vous avez vu la vie, là, comment le gloss se retrouve. Comment le gloss se retrouve, en fait. Ma chérie. Allez, qui veut la dédicace? Il me reste 2 minutes pour faire une petite dédicace à mes fantastiques. Qui veut la dédicace, en fait? Alors, qui veut la dédicace? La marmaille céleste et glorieuse. Mamie! Aïe! La
la maman et de la gloire céleste, ma chérie. Ouloulouloulou. Ça mérite la danse et la bétonnière, maman. Le gloss, maman. Ouh, voilà. Avec Dieu, ma chérie. Qui veut la dédicace? Je suis en train de partir. Je vais faire deux petites dédicaces. Après, je m'en vais. Sérieux, là, ça m'appelle trop. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est bien Créole? Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Dis-moi, comment tu trouves la Côte d'Ivoire depuis ton arrivée? Ouais. Le numéro, là, j'ai donné ça seulement pour le général Makoso. Comment? J'ai donné le numéro juste pour le général Makoso, papa. Juste le général Makoso? Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, tu es du genre fidèle, en fait? Non, je suis du genre fidèle, très fidèle. Je ne veux plus parler avec un autre homme si ce n'est pas le général. Au revoir. Bon, vous avez le visage d'une femme satisfaite, en fait. Une glosseuse satisfaite. Voilà. Alors, Jamila, mais, Jamila Miyage. Jamila Miyage. En gros, je te dédicace à toi, mon bébé. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu as assisté à une grande joie pour moi. Voilà. Donc, je suis très, très contente, en fait. Voilà. Yasmine Doué dit, la grande, tu ne rentres plus à ma chérie. J'ai donné les dates. J'ai dit, je voyage du 6 au 6, du 6 février au 6 mars. On n'est pas encore le 6 mars, donc je ne vais pas rentrer avant ma date prévue. J'espère que on se comprend, en fait, mon bébé. Judith Farrell, je t'interdis de mal parler du général Makoso. Si tu fais ça, je te bloque et je te supprime de ma page et je te nique avant de te bloquer et de te bannir à tout jamais. N'essaye plus jamais. Bon, apparemment, vous êtes que dans le Congo, ça. Vous êtes que dans le Congo, ça. Personne ne veut même la dédicace, en fait. Vous êtes que dans le Congo, ça, le Congo, ça, le Congo, ça. C'est pas grave. Alors, donc, restez dans votre Congo, ça. Et moi, je suis en train d'aller à mon émission. J'ai une émission sur Trace TV, comme je vous disais. Et voilà, je vous ferai peut-être un direct depuis là-bas pour parler avec vous au calme et pour vous faire assister à mon émission. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et voilà, à la prochaine. La grande mère, le docteur dans ça. Paul Crézia. Paul Crézia demande que, et le docteur dans tout ça, ma chérie, tu n'as pas ta propre vie. Glosse tes problèmes là-bas. Hmm? Moi-même là, tu m'élèves, j'ai fait quoi, docteur? Le docteur est là? Là où je suis assise, j'ai fait quoi? J'ai trompé mon mari, mais j'ai fait quelque chose. C'est quoi? Je glosse. Glosse pour toi là-bas, tranquillement. Pour Créole là, restons seulement là sur Facebook, ça reste, ça c'est fini. Ça reste aussi ici sur Facebook, c'est fini. Il y a quoi? Pardon. Oh là là, le téléphone là va pas arrêter de sonner en fait. Vous êtes sérieux là? Ouh. Purée. Allez, bisous. Au revoir. Et n'oubliez pas d'oser dans la vie. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Là, ce soir, c'était le général. Ça aurait pu être Bill Gates. Ça aurait pu être... je ne sais pas, en fait. Ça aurait pu être n'importe qui, en fait. Le prince Charles. D'accord? Et on m'aurait peut-être appelé. Enfin, pas peut-être, très certainement. Donc, les filles, si quelqu'un vous plaît, n'hésitez pas. Hein. Faut pas trop glosser n'importe comment. Faut aller droit au but. Le Sénégal m'appelle. Et... Allô? Allô? Allô, oui, ma chérie? Oui, allô, mon cher, depuis que j'ai t'appelé, mais tu ne réponds pas. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup d'appels, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'appelles Camille Makoso ou quoi?
Je vous embrasse, tous là-bas. Gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Mes fantastiques du Sénégal, vous êtes les meilleurs. Les fantastiques de Dakar. Je vous aime vraiment beaucoup. Vous-même, vous connaissez, il y a une histoire d'amour entre nous, en fait. Je te dis, oh, ma chérie, praise. Il y a Junior qui est là. Il y a beaucoup de nananina. Voilà, si vous voulez, les filles, il faut toujours glosser. On ne sait jamais. C'était juste mon petit message. Et sachez que je vais dormir avec un grand sourire ce soir. Je suis très heureuse. Et voilà, Camille, je vais t'envoyer mon numéro WhatsApp. Comme ça, on pourra se parler sur WhatsApp, en fait. Allez, gros bisous. Mouah. Au revoir. Bonne nuit. Ah, je suis trop contente, en fait, putain. Ouh là là.